Samedi 13 mars 2021, mesdames et messieurs, bonjour. Il est 6h30 sur RTI 1 et c'est l'heure de vous informer. Et on démarre avec ce communiqué de la Direction générale du protocole d'État. Le protocole, sinon le programme des obsèques du Premier ministre Ahmed Bakayoko, décédé le mercredi 10 mars 2021 à Fribourg, en Allemagne, se présente comme suit. Samedi 13 mars 2021, 15h40, arrivée de la dépouille mortelle. Mercredi 17 mars 2021, de 9h à 12h, hommage de la nation au palais présidentiel. Jeudi 18 mars 2021, de 14h à 16h, levée du corps à Ivosep, suivi du transfert à Séguéla avec une escale à Dalois. En parallèle, hommage du RHDP, des partis politiques et des associations, suivi d'animation artistique au lieu du stade des BMP. Vendredi 19 mars 2021, prière suivie de l'inhumation dans la stricte intimité familiale. Dimanche 21 mars 2021, cérémonie du 7e jour à la mosquée Falikou Diaby de la commune d'Abobo. Pour l'appel, pour l'accueil de la dépouille, sont attendus dans l'enceinte du pavillon présidentiel les personnalités ci-après. Le ministre d'État, Premier ministre par intérim, les présidents d'institutions, mesdames et messieurs les ministres, monsieur le nonce apostolique doyen du corps diplomatique, monsieur le coordonnateur résident du système opérationnel des Nations Unies, madame la représentante spéciale du président de la Commission de l'Union africaine, monsieur le représentant résident de la CEDEAO, les grands chefs, les chefs des grands commandements, le préfet d'Abidjan, les maires du district d'Abidjan, les présidents ou secrétaires généraux des partis politiques, les présidents ou secrétaires généraux des partis politiques, 15 membres du directoire du RHDP, 10 membres du cabinet du Premier ministre, 10 membres du cabinet du ministre de la Défense, 10 membres de la chefferie à Tchan, 10 membres du forum des confessions religieuses, 15 membres du COSIM. La fin de la mise en place est prévue pour 14h30 GMT, horaire de rigueur, fait à Abidjan le jeudi 11 mars 2021, signé le directeur général du protocole d'État, M. Hippolyte Yeboué. La dépouille du Premier ministre Ahmed Bakayoko foulera le tarmac de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan ce samedi avant d'être transféré à Ivosep. Pour la circonstance, la jeunesse ivoirienne est invitée à se mobiliser dans l'esprit du recueillement et la discipline. Vendredi, les dispositions pratiques ont été définies au cours d'une rencontre à Abidjan. Le reportage de Marie-Laure Goretti est commenté par Grace Kando. Ce samedi 13 mars, dans l'après-midi, arrive à Abidjan la dépouille mortelle du Premier ministre Ahmed Bakayoko à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. La dépouille quittera l'aéroport pour Ivosep à Trècheville, un tronçon sur lequel sera organisée une aide d'honneur. Tous les jeunes sont donc invités, ceux qui veulent donc rendre un hommage au Premier ministre demain, de se conformer à cette aide d'honneur qui irait donc de l'aéroport jusqu'à Ivosep. Bien évidemment, il y a des points de rassemblement qui ont été définis pour chacune des communes tout au long donc du trajet. Et nous vraiment comptons sur l'esprit citoyen, l'esprit civique donc de ces jeunes. Dans l'ordre et la discipline, les populations devraient sortir pour rendre hommage au Premier ministre Ahmed Bakayoko, le Golden Boy. Demain, samedi, à partir de 12 heures, nous prenons la route de l'aéroport, car nous avons appris que la dépouille de notre Premier ministre arrive. Venez très nombreux à l'aéroport accueillir la dépouille du grand frère d'Ambak, le Golden Boy. Nous demandons à toute la jeunesse ivoirienne de sortir demain comme un seul homme, tout en respectant les mesures barrières, c'est-à-dire chacun doit venir avec son cache-nez.
Décédé le mercredi 10 mars en Allemagne des suites d'un cancer, le Premier ministre sera inhumé le 19 mars prochain à Séguéla, sur la terre de ses ancêtres. Et hier, vendredi, en début de soirée, le RHDP, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, est allé présenter ses condoléances à la famille biologique du défunt Premier ministre. Il s'agissait pour le parti au pouvoir de rendre hommage à l'un de ses plus hauts dirigeants pour le travail accompli et de prendre ainsi toute sa part de deuil auprès de la famille éplorée. On regarde le reportage de Mahama Traoré. 48 heures après l'annonce de la tragique nouvelle, le RHDP vient porter sa compassion à la famille de celui qui était jusqu'à mercredi dernier son vice-président et coordonnateur régional en charge des communes d'Adjamé, d'Abobo et d'Anyama. Une forte délégation composée de ministres, de parlementaires, d'élus locaux, de directeurs généraux, de cadres et de militants s'est ainsi rendue au domicile familial du défunt Premier ministre. Il est important que nous venions aujourd'hui saluer la famille. Pour dire que le RHDP partage totalement la peine, la douleur immense, et parce que la Côte d'Ivoire perd un grand homme, un homme courageux, un travailleur infatigable, un grand commis de l'État. Le RHDP aujourd'hui est venu non seulement témoigner à sa famille toute sa reconnaissance, à la famille Bakayoko pour avoir donné au président Alassane Ouattara, un de ses fils, un de ses dignes fils, et s'approprier le deuil. La famille biologique d'Ahmed Bakayoko se dit reconfortée par cette marque de solidarité venant de sa famille politique. Au nom de la famille, je voudrais réitérer toute notre reconnaissance et notre profonde gratitude à toute la direction du RHDP, à tous les membres du comité exécutif, à tous les membres de la délégation, à tous les anonymes, à toutes celles et à tous ceux qui, de près ou de loin, nous ont apporté ce concours moral et financier. À la suite du RHDP, c'est la famille de l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui est venue se joindre au Bakayoko afin de prendre sa part de deuil. Seulement 8 mois séparés leur décès, les familles Bakayoko et Gon Coulibaly sont désormais en union de prière pour que Dieu agrée leur fils auprès de lui. Le décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko est fortement ressenti par toutes les couches sociales. Le monde de la culture n'y échappe pas. Les artistes du continent pleurent Ambak. L'homme est profondément resté attaché à la culture, à la musique rumba et aux différentes sonorités ivoiriennes. Mobilisés comme un seul homme, les artistes ont décidé de lui rendre un vivant hommage. Suivez plutôt ce dossier réalisé par Issa Chonayo. Journaliste, homme politique, Ahmed Bakayoko était aussi et surtout un homme de culture. La musique et la danse n'avaient pas de secret pour lui. Sa proximité avec les artistes lui a même valu le pseudonyme de Ambak. Il était l'ami de tous. C'est quelqu'un de grand, un ami des artistes, quel qu'il soit et d'où qu'il vienne. Un ami de jeunes aussi. Il ne faisait aucune distinction dans son appréciation de l'art. Des anciens aux jeunes artistes, Ahmed Bakayoko avait son empreinte dans toutes les générations. Quand on sait de là où il est parti, on va dire que c'est un exemple pour beaucoup de jeunes. Voilà, donc on a perdu un pilier, on a perdu un père pour les Ivoiriens, pour les artistes ivoiriens. Puis bon, voilà, on est tous attristés. Doté d'une humilité reconnue, le Golden Boy, comme l'appelaient affectueusement ses fanatiques. Or, de ses manteaux politiques, était un adepte de la musique congolaise, précisément de la rumba. Je me rappelle ce grand voyage qu'on a fait avec son épouse, avec Yolande. C'était comme un pèlerinage. Yves, on s'en va à Kinshasa, mais on ne dort pas. On ne va pas dormir. Quand il arrive, d'abord, tout est extraordinaire. Je le revois quand on allait au concert, puisque là-bas, c'était comme ici à l'époque, que tous les samedis, les artistes de renom ont des concerts. Donc je le revois au concert de Koffi Olomide,
ébahi. C'est-à-dire, non, c'est-à-dire, tout était effet d'émerveillement. Il a vécu son passage, ce pèlerinage culturel et musical en RDC, comme un bain de jouvence. Enfin, il a fini par comprendre la culture et la philosophie de la musique congolaise pour les Congolais. Le demi-dieu, Ahmed Bakayoko, fort, fort. Ahmed Bakayoko est un ami de la République démocratique du Congo. Ahmed Bakayoko est un grand mécène qui a su promouvoir et apprécier à sa juste valeur la rumba congolaise. Ahmed Bakayoko est un ami de tous les jeunes de l'Afrique. Et avec cette disparition, la rumba congolaise vient de perdre un de ses fervents défenseurs. Le Zouglou, Ahmed Bakayoko, en était un friand également. De nombreux groupes, notamment Yodé Siro, Patsako et surtout le groupe Magic System, dont il était le parrain à vie du FEMUA, Festival de musique urbaine dans le Mambo, ne manque pas de le chanter ou de lui rendre hommage. Ahmed Bakayoko était un grand homme de culture, un amoureux de culture. C'est quelqu'un qu'on pouvait solliciter en toute situation. On ne pouvait pas faire un événement sans le solliciter parce qu'on savait qu'il était le plus sûr, parce qu'il aimait la chose. Donc si tout le monde chante Ahmed Bakayoko, c'est un peu notre manière à nous de lui rendre ça. Homme de contact, le Premier ministre Ahmed Bakayoko comprenait le message et le fonctionnement des jeunes. En témoigne son affection et son attachement au défunt Didier Arafat. Ils sont venus du monde entier pour nous dire que nous n'avons pas eu tort de suivre Didier Arafat. Il faut respecter nos artistes. Tous les grands peuples grandissent par la culture. Et moi, naturellement, j'ai toujours eu envie d'être avec les artistes. Et Yaropa, c'était mon fils, c'est mon fils, et je l'assume. Ils ont voulu m'attirer, mais je l'ai fait. Quelqu'un m'a échappé à mort. Sinon, je n'aurais pas mouru. C'est parce qu'on a tous mouru un jour. Et Yaropa est mort. On nous dit n'a pas fait quelque chose à la vie. Sa passion pour la culture a fait de lui une personnalité incontournable auprès de tous les artistes ivoiriens et africains. Sa disparition est une grosse perte pour la Côte d'Ivoire et le continent. En témoignent les hommages qui fusent de partout. Ahmed Bakayoko était aussi reconnu pour sa grande générosité à l'endroit des populations. Ses bienfaits sont innombrables et tout le monde en parle. Un aspect de sa vie auquel notre reporter Eric Gouré s'est intéressé. On regarde son constat. D'accord, tu fais quoi dans la vie? Eva Balandou. Je vais te donner 5 millions de francs, c'est pas pour ta promesse. Jeune homme, ça va, c'est pas qui t'appelle. C'est le boulot, ça va. Non mais, au nom du président Ato, va te donner aussi 5 millions. C'est ce qui caractérisait Ahmed Bakayoko. Surprendre et donner une grande joie aux bénéficiaires. Des bénéficiaires qu'il ne connaissait pas pour la plupart. Mon mari, c'était Jules Bado Atu de Young System. Et quand Ahmed Bakayoko a appris qu'il était malade, il est venu spécialement à la maison pour donner 4 millions pour qu'on puisse soigner mon mari. Unique en son genre, la générosité d'Ahmed Bakayoko aura séduit une majorité d'Ivoiriens. Ahmed Bakayoko avait une philosophie, donner de façon désintéressée parce que partager était sa devise. J'ai même des témoignages, oui. Il y a des témoignages. Il était très, très gentil, très humain, en tout cas. Et quand il aidait les gens, il ne tenait pas compte de la religion, des ethnies. Il aidait tout le monde, tous ceux qui ont le besoin, il aidait. Gentil même, c'est un mot qu'on ne peut pas dire. Il est généreux, à 1000%. C'est le monsieur même qui te voyait dans la rue, même sans même te connaître, il pouvait te régler ton problème de là à la minute, à la fraction des secondes qui passent. C'était un monsieur au bon cœur, il avait vraiment un bon cœur. Quand on voit ce qu'il a fait à Bobo,
d'une commune qui était un peu bizarre. Il a bien rangé là-bas vraiment. Sa mort nous a touchés. Et c'est pourquoi le philanthrope Ahmed Bakayoko a eu plusieurs surnoms donnés par les Ivoiriens. Certains l'appelaient le Golden Boy, d'autres disaient l'étoile d'État, Ambak, demi-dieu, pour ne citer que ces appellations. La générosité du Golden Boy reconnue par le chef de l'État lui-même. C'était un grand homme d'État, un modèle pour notre jeunesse, une personnalité d'une grande générosité et d'une loyauté exemplaire. Ahmed Bakayoko part, mais ses actions et ses bienfaits resteront à jamais gravés dans le cœur des Ivoiriens et de toutes les personnes qui ont bénéficié de ses bienfaits. Adieu, Monsieur le Premier ministre. Adieu, Monsieur le Premier ministre. On fait à présent le point de la situation de la COVID-19. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré vendredi 12 mars 2021 313 nouveaux cas de COVID-19 sur 3006 échantillons prélevés, soit 10,4% de cas positifs, 139 guéris et 2 décès. À la date du 12 mars 2021, la Côte d'Ivoire compte donc 36 824 cas confirmés, dont 33 267 personnes guéries, 211 décès et 3346 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 455 436. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique invite le personnel de santé, les forces de défense et de sécurité, les enseignants, les personnes âgées de plus de 50 ans et les personnes porteuses de maladies chroniques à se présenter au centre de vaccination au parc des sports de Trècheville et les autres centres ouverts pour se faire vacciner gratuitement contre la COVID-19. Et la Côte d'Ivoire compte à ce jour quelque 10 000 personnes déjà vaccinées. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique s'est exprimé hier vendredi. Le docteur Eugène Aka Awele a donné des assurances sur la fiabilité du vaccin AstraZeneca qui n'a jusque-là pas eu d'effet secondaire majeur. L'éclairage de Salima Toudia. Du 1er au 11 mars 2021, soit en 10 jours de campagne de vaccination anti-Covid-19, ce sont 10 117 personnes qui ont reçu les premières doses de vaccin AstraZeneca en Côte d'Ivoire. La campagne a démarré effectivement le 1er mars au centre de vaccination du parc des sports de Trècheville par la première phase qui devait durer 10 jours. Mais depuis le lundi 8 mars, nous avons décidé, après une semaine de vaccination, d'intégrer les personnes éligibles à la seconde phase. Et nous avons également décidé d'étendre la campagne pour la première dose sur plusieurs semaines. L'offre de vaccination se rapproche également des populations avec l'ouverture de plusieurs centres de vaccination. Nous avons 37 centres de vaccination ouverts à Abidjan, dans toutes les communes d'Abidjan. La semaine prochaine, de nouveaux centres vont ouvrir dans le Grand Abidjan. Par ailleurs, 13 centres de vaccination sont ouverts dans les différentes casernes et sont fonctionnels. Il en est de même pour les forces de sécurité. Pour l'heure, aucun effet secondaire majeur lié au vaccin AstraZeneca n'est signalé en territoire ivoirien. La campagne se poursuit en dépit de l'interruption de la vaccination par le vaccin AstraZeneca dans certains pays européens. L'Agence européenne du médicament qui a autorisé l'utilisation de ce vaccin en Europe à travers son comité de sécurité des médicaments, indique qu'il n'y a aucun lien entre la vaccination et cette manifestation de coagulation du sang. Donc ce phénomène de coagulation ne fait pas partie des effets secondaires potentiels connus du vaccin. Seulement 30 cas pour 5 millions de personnes vaccinées ont été relevés, en moyenne donc 1 cas pour 100. Mais par ailleurs, le vaccin utilisé en Côte d'Ivoire ne provient pas de la même usine de fabrication que le vaccin utilisé dans les pays européens concernés. Des mesures de surveillance, notamment de pharmacovigilance, des mesures de surveillance actives sont mises en œuvre par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique pour détecter toute éventualité de survenue d'effets secondaires. Plus d'un million de doses de vaccins sont attendues à la fin du premier semestre 2021 dans le cadre du mécanisme COVAX afin de généraliser la vaccination.
Dans l'actualité hors de chez nous, au Sénégal, le mouvement de défense de la démocratie a décidé de suspendre son appel à manifester pacifiquement après un échange avec l'émissaire du Khalife général de la confrérie Mouride. Dans un communiqué, le MD2 indique avoir accepté la demande de report formulée par l'influent chef religieux syrien Moutaka Mbake. En retour, le M2D indique avoir transmis au Khalife un mémorandum de 10 revendications, notamment la libération immédiate et sans condition des prisonniers politiques incarcérés, l'arrêt de la persécution des opposants, y compris par le biais des écoutes téléphoniques et des espionnages. Et puis, hors du continent africain, aux États-Unis, la famille de George Floyd, l'Afro-Américain mort lors de son arrestation à Minneapolis en mai 2020, va recevoir une compensation. Elle sera dédommagée à hauteur de 27 millions de dollars de dommages et intérêts au terme d'un accord à l'amiable avec la ville de Minneapolis, une somme record qui évitera à la ville un procès au civil. La famille de George Floyd compte consacrer une partie des 27 millions de dollars qu'elle va toucher à améliorer la vie du quartier où il a été tué. Et voilà, on s'arrête ici pour ce 6h30. Merci à tous de l'avoir suivi. L'information continue sur les www.rti.ci. À 13h, Herman Guivet sera chez vous pour vous présenter l'édition de la mi-journée. Restez sur RTI 1.